Pagan Saint Abraham encore. Chrétien, c'est dans le ciel qu'il est connu, il est mort. Pagan Saint d'Abraham encore. Chrétien, c'est dans le ciel qu'il est connu, directement, il est mort. Bonjour, bonsoir, salut. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit côté, vous attendez enseignement ça dans le monde entier, en Haïti ou à l'étranger. Jésus-Christ, qui c'est vrai Dieu, entre Konya dans le lieu très saint, qui c'est esprit, qui c'est cœur, selon Ézéchiel, selon Matthieu, l'entre Konya dans le lieu très saint pour l'enseigner au travers de Mikrol, qui c'est moi-même, au travers de Reporter, qui c'est moi-même. La paix Saint-Esprit bat avec nous et que Saint-Esprit, mon Dieu, ouvre l'esprit nous. Pour nous comprendre parole ça, pour nous comprendre enseignement ça, qui ont des gens très subtils, qui ont des gens délicats, qui ont des gens en pile réflexion, que Saint-Esprit ouvre l'esprit nous, pour nous comprendre, ni, selon Luc 24, verset 45. Donc, si Saint-Esprit ouvre l'esprit nous, nous avons manqué comprendre. Donc, nous déclarer sur chaque monde qui a entendu enseignement ça. Ok. En pile fois, nous entendons. Jusqu'à présent, gan pile prédicateur, gan pile pasteur protestant qui a parlé de Saint d'Abraham. Saint d'Abraham pas existé encore. Saint d'Abraham pas existé encore. Donc moi prends responsabilité selon parole bon Dieu, selon les saintes écritures pour me dire non, Saint d'Abraham pas existé encore. Actuellement là dans la nouvelle alliance sous la grâce, dans la vérité, hein, selon Jean 1, verset 17, hein, sous la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ, eh bien, nous pas qu'à jusqu'à présent là, actuellement là, pour nous parler de Saint Abraham. Donc, il y a un monde qui a parlé de Saint Abraham actuellement, son monde qui manquait lumière, son monde qui manquait enseignement, son monde qui manquait connaissance de la parole de Dieu. OK? Selon Osée 4, verset 6. Donc, son monde qui manquait révélation des choses cachées, selon Deutéronome 29, 29, selon Jérémie 33, verset 3, et selon Luc 10, verset 21. Bon, n'a pas rappelé nos titres, leçon encore une fois de plus. Pas de Saint d'Abraham encore. Chrétien aller directement dans le ciel actuellement là les mourir. Nous allons faire lecture dans Luc 16 verset à partir du verset 19 à continuer jusqu'à 41. OK? Donc n'a fait lecture pour moi comme d'habitude pour enseignement pas trop long. Luc 16, verset 19 à 41. Mais verset plus intéressé nous, c'est verset 23. Donc, rappelez-nous bien, nous allons faire lecture pour moi, mais mettez-nous dans le contexte. Passage ça, Manouan. Luc 16, verset 19 à 41. Maintenant, gros bagage pour me rappeler nous. Très important. Grand pile monde qui pensait histoire ça qui dans Luc 16 verset 19 a continué c'est juste une parabole, son histoire qui irréelle. Non, c'est pas vrai du tout. Eh bien m'a banon n'a partagé petite technique ça ensemble, petite connaissance spirituelle ça ensemble. Depuis ce côté où Jésus-Christ a parlé, li cité non propre yon moun, eh bien c'est une histoire qui vraie. Par exemple, histoire qui dans Luc 16 verset 19 a continué, eh bien, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Jésus-Christ même qui c'est vrai Dieu qui a expliqué une histoire qui vraie entre un pauvre
qui te rele Lazare, qui te gen yon ulcère malin, hein, la Bible précise, un ulcère malin, c'est chien qui te konap niché ulcère ça, et puis entre pauvre Lazare ça, avec yon nom riche, qui te riche. Comprenez? Qui écrit même Jean avec riche, Jésus te dit, disciple yo, mon riche, li impossible pour yon nom riche entrer dans Rome celle-là. Li impossible pour yon nom riche sauvé. Parce que là, il te ba yon parabole qui montre l'impossibilité. Parce que il te dit, li plus facile pour yon chameau passer dans Jésus-Guy que tant pour yon moun riche. Que yon moun riche entre dans le royaume ciel là. Li pi facile pour un chameau entrer, passer dans les aiguilles. Nous connaissons qui petit, qui difficile. Même leur fil en aiguille, un petit fil, ou un petit goumon goumen, valet goumon goumen, hein? Avec petit point de l'eau dans la bouche. Vous comprenez? Et puis pour entrer dans petit. Si Jésus-Christ a ou a pile faut qu'on goume, là parce que l'entrée est sortie, il qu'on passe à gauche, il passe à côté à gauche ou bien à droite. Et puis Jésus dit, il est plus facile pour un chameau passer dans petit trou ça, hein, que pour un homme riche sauvé entrer dans la Rome celle-là. Ça veut dire ça marque l'impossibilité. Ça ou pas besoin de gros discernement pour comprendre parabole, ça veut dire il est impossible pour un nègre ou monde riche sauvé. Il est pas possible pour un monde qui riche sauvé. Est-ce que nous comprenons? Donc, son autre enseignement ça est, son autre enseignement ça est, pas pas entrer là-dedans konya, mais en passant, des moun konnen pou al fin tan de samedi là qui pas dit ah ça c'est moun di mode prédicateur mode pasteur qui a prêché la pauvreté dans l'église. Non, c'est pas ça. En même temps, Jésus dit, il est impossible pour moun riche sauvé, il est pas possible pour un moun riche sauvé, mais en même temps tout, il dit et dans parole bon Dieu dit tout en même temps, il pas veut petit li pauvre. Ah non, la Bible pas encourager moun ki pauvre. Donc moi-même pas enseigner, m'pas prêcher l'évangile ça. Non, m'pas enseigner l'évangile pauvreté. Ah non, pas du tout parce que pas biblique. Vous comprenez? M'pas enseigner tout l'évangile riche, l'évangile prospérité à tout parce que il est pas biblique. Ça veut dire des deux côtés, li pas biblique, li anti-biblique, mais la Bible dit ou capable normalement un chrétien capable normalement entre les deux. Ça veut dire ou pas pauvre ou pas riche, mais ou entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ou gain possibilité ou gain possibilité pour manger sauvé, voyager dans pays dans l'ido, courir machine qui dans l'ido, ou comprendre, bah acheter terre ou terrain ou remer, construire caillou, etc. Est-ce que vous comprenez ça monsieur là? Occuper petit tout normalement, mettez dans l'école qui font plaisir, qui dans l'idée, elles se comprennent, mais ça ne veut pas dire riche pour autant. Parce que sous riche, un monde qui est riche, par exemple, sous un monde qui est multimillionnaire, on dit un monde qui est multimilliardaire, un monde qui est multimillionnaire, ou bien un monde qui est multimilliardaire, sous un monde qui est riche. Eh bien, le plus souvent, l'homme monde multimillionnaire, un monde qui multimilliardaire, son monde c'est cob qui préoccupé esprit. Ça veut dire monde ça pas jamais gain temps vrai pour prendre une heure de temps, une heure et demie, deux heures de temps, trois heures de temps jusqu'à trois heures de temps pour la bail bon Dieu gloire. Pour la faire un bel service hein et du soir, une belle prière matinale, une belle dévotion matinale, monde ça pas gain temps pour ça parce que monde ça yo moun sa yo priye yo, si yo sonje bon Dieu existe toujours, priye yo, le ap sorti, c'est Jésus sorti avec Jésus ne yo. Le yo rentre tout fatigué au coucher, pendant au coucher, oh merci Seigneur pour journée. Mais priye yo. Ça veut dire, ou pas gen temps pour bon Dieu vraiment. Ou pas gen temps pour bon Dieu. Et nous connaît, l'argent son l'autre faux Dieu, c'est le Dieu maman que bon Dieu, Jésus Christ parlait de lui en pile dans la Bible, on connaît son faux Dieu automatiquement. L'abdominé net à lui. Donc, il y a mon riche, pas qu'à sauver. Donc, c'était une parenthèse, moi, t'es ouvert. Maintenant, histoire, c'est entre Lazare avec nom riche là. Nom riche là, l'homme qui a mangé, Lazare a veillé, selon parole de bon Dieu dans Luc 16, 19 à continuer. Lazare a veillé, si Mosoti cal manger. Comprendre cap sorti bon point bouche monsieur cap tombe à terre puis pour Lazare prendre pour le manger
qui c'est pauvre là. Vous comprenez? Et puis chez même ces chiens qui a niché, il sert ça mal et ça et pauvre là t'es gagné. Qui ça qui vient passer qu'on y a Lazare vient mourir, pauvre Lazare vient mourir. L'elle vient mourir qu'on y a là qui ça qui passe? Il vient mourir et puis non riche vient mourir tout. Donc les non riche vient mourir à mes côtés au talé les ça. Tous les deux talé ils ont côté que les séjours des morts. Mais séjours des morts là c'est un démon lié. C'est un démon, c'est un ange déchu. Ça veut dire les chérubins protecteurs là, Satan le diable là, et les bons dieux étaient shootés et soutenant ciel là pour tomber sous terre. Il était allé avec un tiers d'ange. Eh bien, t'es gain, la Bible dit t'es gain un peu qui était dans les lieux célestes et un peu et tombé sous terre et puis un peu tombé dans la mer dans le quartier général Satan le diable. Donc maintenant, séjour des morts, lui fait partie de ces anges déchus. Donc il est séjour des morts. Donc c'est lui-même démon ça qui c'est roi l'enfer provisoire là actuellement. Donc c'est là dans ancienne alliance, sa théologie aurait les anciens testaments, c'est là les gens mouri, hein, n'importe monde qui était mouri longtemps et un chrétien ou bien un païen, leur mouri ou t'es allé dans séjour des morts. Donc c'est là et pauvre Lazare t'allé séjour des morts et puis c'est là tout non riche t'allé dans séjour des morts. Mais la différence, la seule différence c'est que dans séjour des morts là, il est divisé en deux parties. Qui deux parties? Gagnon partie, c'est sûrement selon la parole de Dieu. Partie droite là, c'est pour chrétiens, parce que nous connaissons bon Dieu par en affaire à bon gauche, bon Dieu en affaire à bon droite. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Hein, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Donc mes amis, ça qui vient de passer qu'on y a là, et dans ce jour des morts là, à droite c'est pour les chrétiens, ok? Ceux normalement qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ. Et puis à gauche, ce jour des morts là, c'était pour les païens, monde qui pas mouru dans Jésus, monde qui pas mouru chrétien, monde qui mouru dans le monde là. Essayez de comprendre. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça qui sépare yo, entre yo gagne un grand abîme. Abîme, ça veut dire son gros trou qui gagne tout ce qu'on est, ok, qui négatif la donne et profondeur ça li indéfini. Voilà, donc c'est ça y aurait maintenant séjour des morts là. Donc séjour des morts là me fait nous ça en passant, me fait nous connaître ça en passant, c'est un démon, selon Apocalypse 6, verset 8, son démon. La mort est également un démon, un ange déchu. Ok? Selon Apocalypse 6, verset 8. Donc maintenant, dans l'ancienne alliance, sa théologie au protestant, dans l'Ancien Testament, l'œil au chrétien mourit, on pas un mourir, tous les deux aller dans ces jours des morts. Sauf que dans ces jours des morts là, il y a pas même côté. Youn à droite qui c'est chrétien, youn à gauche qui c'est païen et puis un grand abîme dans mi-temps. Donc si nous lisons Luc 16 verset 19 à continuer ou après il précise aux paroles ça dans verset 23. Ça veut dire le maintenant nèg riche là lever tête, il vient mourir en passer là ça t'est mort avant pauvre là, les lever pendant et pas lever tête non, pendant il voit les yeux bien loin, loin, très loin, et puis il regarde, il voit Abraham. Il voit Abraham, et puis il regarde, il voit Lazare, pauvre là, dans Saint Abraham. Et puis quand il y a là, il relève Abraham, il dit Abraham, il est tellement souffri dans du feu ça, côté il y a dans flamme du feu ça, côté il y a dans partie gauche, c'est jour des morts là, et puis il dit Abraham, voyez Lazare vient seulement tremper, ok? Douette il touche douette il dans l'angle tellement l'a souffri tellement est-ce que comprendre il dans tourment qu'on y a là. Abraham te dit désolé, il pas possible parce que bon d'ailleurs un grand abîme entre vous même avec ça veut dire pas qu'à sur côté mia pour venir côté ya ni tout pas qu'à sur côté ya pour venir côté mia. Qui ça parole ça veut dire qui révélation qui n'a pas ça, ça veut dire il est trop tard, ça veut dire automatiquement chrétien, nous mourir, pas gagner rien ou qu'à faire encore. Nous avons perdu net. Ça veut dire, on peut passer de
du feu de l'enfer provisoire, ok, jusqu'à l'enfer éternel. On pourrait passer du feu provisoire, hein, au feu éternel. On pourrait passer du feu provisoire au feu éternel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire affaire bagaille qui est le purgatoire là, ça n'existe pas. Affaire purgatoire là, son bluff. Affaire purgatoire là, son théâtre. C'est ok? Donc ça veut dire, mes amis, c'est fait tout ça qui dépend de nous. Moi-même, avant, quand j'ai enseignement ça, n'a fait tout ça qui dépend de nous pendant nous sous terre pour nous faire volonté, bon Dieu, pour nous accepter Jésus, pour nous vivre selon sa parole, pour nous vivre selon parole, en esprit et en vérité. Et puis, qu'on y a là, nous ne pouvons ni jour ni l'heure, et pour, cet esprit, bon Dieu, apprenez nous. Parce que moi-même, avant, nous ne pouvons pas comment on a vivre. Moi, je dois faire un enseignement ça là, et puis c'était dernier jour, c'était dernier soirée, c'était dernier nuit, moi. Donc, ça veut dire faut toujours prêt. OK? Parce que depuis que tu as mouru, pas grand-chose qu'à faire. Donc, maintenant, pour nous retourner dans l'histoire, et puis qu'on y a là, et quoi, et nom riche là, il m'a dit Abraham, il dit Abraham, il y a 5 frères, tant pis, est-ce que pas grand-chose qu'à faire pour le faire connaître, et comment ça y est, comment on fait aller, etc., pour que tu en fasses, j'ai même, pour ça pas arriver, bon, monsieur, bon, toujours parce que monsieur pas égoïste. Parce que monsieur doit dire si m'a fait là tout. Donc monsieur était bon toujours était bon. Monsieur pas égoïste, pas vrai. Donc maintenant et là Abraham dit bon désolé, yo gen il dit comme ça bon, yo gen Moïse pour attendre. Est-ce que vous comprenez? Et bon, alors elle dit Moïse avec Abraham pour attendre là. Nous gen ta comprendre ça veut dire parce que c'est dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'était dans nouvelle alliance, c'est sûr que il était qu'à dire nous gain apôtre pour nous entendre, nous gain docteur pour nous entendre, nous gain prophète pour nous entendre, nous gain évangéliste pour nous entendre, nous gain pasteur berger pour nous entendre. Donc maintenant ça c'est histoire Saint d'Abraham. Attendez bien, nous va dire notre petit bagaille. Selon la Bible, il y a deux types de paradis parce que là aller dans Luc 23 puis devant dans Luc 23 dans Luc 23 verset 39 à 41 yo. Là aller dans verset 39 à 41 dans Luc 23 ou après Jésus-Christ t'es dans mitan deux malfaiteurs, deux brigands, vrai? Et puis il y a une qui t'a insulté dans verset 39 là et puis l'autre là lui-même il dit oh, on va respecter bon Dieu, ça veut dire il était connaît. Il était intelligent, il connaît Jésus, c'était vrai Dieu. Et après Dieu a écrit des majuscules, il dit oh, pas respecter bon Dieu. Il dit pas même j'en avais, pas dans niveau nous. Nous-mêmes nous méritons côté nous là. Mais lui-même c'est Dieu lui. Il va jamais pécher. C'est lui vrai Dieu, on va respecter bon Dieu. Et puis il dit Jésus pour montrer Jésus même il connaît c'est lui-même, il est intelligent, il connaît c'est lui-même qui vrai Dieu. Il dit Jésus, pas oublier non je dis ah, pas oublier moi. Ça va parler, n'a pas à dire quand on parle. Et puis Jésus répond, il dit comme ça. Bon, pour sortir là, parce que reconnaître c'est moi-même qui c'est seul vrai Dieu. Eh bien, je dis à même, on va aller dans paradis avant, on va aller dans paradis avec. Nous songez t'aimes ça? Paradis, P-A-R-A-D-I-S. Vous songez ça Jésus te dit? Pourtant, les Jésus te dit paradis, il pas t'a parlé de paradis céleste. Non. Il va t'a parlé de paradis céleste. Il t'a parlé de Saint d'Abraham. Il t'a parlé de Saint d'Abraham parce que et c'était sous l'ancienne alliance, le vôtre qu'on a nouvelle alliance. Ça veut dire Jésus lui-même là, il dit comme ça, je dis à même au prendre dans paradis avec maintenant, il pas t'a parlé de paradis céleste en l'air raison parce que on brigand mes amis. On bandit, on assassin, pas ta rentrer dans le ciel contre bon Dieu. Non. Bon Dieu, parfait, il s'attache. On brigand, on pécheur, pas ta rentrer dans le ciel là. Hein? Il n'y a pas ta rentrer dans le ciel là. Mon groupe, ça me dit là, même dans ta gentil de tout, mais là, même là, on pas content d'enseignement ça, mon con, on brigand, pas ta rentrer dans le ciel là, péché. Ça veut dire, là, Jésus t'a dit ça, Jésus t'a parlé de Saint Abraham, là, il t'a dit paradis, raison qu'il dit ça. Parce que les chrétiens mourent là, dans Saint Abraham, dans Saint Alliance, il est à l'aise, il n'est pas dans souffrance encore, il est à l'aise, c'est ça que fait, Jésus te dit, je dis après la même dans le paradis, parce que Jésus lui-même,
pendant dit ça, Jésus c'est pas dans celle-là qui est monté. Non, non, non. Jésus va pas monter dans celle-là. Jésus c'est là qui est ressuscité, il monte dans celle-là. Jésus va pas monter dans celle-là. Les Jésus t'es mort, Jésus est allé dans Saint d'Abraham en bas terre, dans séjour des morts, il est allé, dans Saint d'Abraham, dans séjour des morts en partie droite, séjour des morts là. Vous comprenez? Donc ça c'est premier contexte paradis. Donc c'est deux types de paradis la Bible connaît. C'est Saint d'Abraham et le paradis céleste. OK? OK? Le paradis céleste. Donc dans la présence de Dieu. OK? C'est deux types de paradis gagnés, Bible la connaît. Après ça l'autre paradis qu'on a des mon a parlé à paradis terrestre là, ça c'est ligon l'autre contexte, son contexte métaphorique, son contexte figuré, ça veut dire yon côté là senti à l'aise ou senti ou reprendre ou senti confortable, mon côté ça un paradis. Est-ce que vous comprenez? Moi me dit ça c'est un côté deux monde qui marié, si deux monde marié c'est bon Dieu qui t'a fait choix pour yo, c'est sûr que les mariés dehors ou bien madame dehors l'environnement dans cala parce que cala tant qu'on paradis tellement senti la vive il senti la les il pas envie dehors il pas envie dans travail li mais laisser moun nan les on coupe deux moun marié puis c'est fait choix pour koyo et bien le plus souvent ca ça qu'on yon enfer les qu'on yon l'enfer comprendre dans bon cœur là qu'on l'enfer parce que dit les maris de yo, madame de yo, pas envie d'entrer dans la parce que les l'entrer dans la c'est parole en pile, c'est discussion, c'est goumé, c'est bêtise. C'est... Donc maintenant, c'est ça qui est contexte qui est paradis terrestre. Mais dans le contexte Bible, Saint d'Abraham, son type de paradis, c'est Jésus qui dit, je dis, on parle pas de même avec, ça veut dire, on parle dans Saint d'Abraham avec. Et puis, deuxième paradis, notre paradis, c'est paradis céleste, ok, dans la présence de Dieu. Est-ce que nous comprenons? En passant, nous connaissons. La Bible prend deux types de paradis. Jésus te dit ça, il a parlé de Saint Abraham. Maintenant, le Jésus fin de mourir, il fait trois jours dans Saint Abraham. Le livre en bas, et puis qu'on y a là, il prend le joint Daniel, David, vous comprenez? Et Daniel, David, Abraham, Moïse, Joseph, Abelio, est-ce que vous comprenez? Et puis le livre en bas, il prend le parler avec vous, vous comprenez? Il prend le prêcher, c'est ça la Bible dit, il prêche, et puis qu'est-ce que ça fait? En bas, qu'on y a là, il retire, OK, il retire yo en captivité et puis il libère yo, ça le fait, il monte avec yo. Selon Éphésiens 4 verset 8 à 10. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire depuis lors Jésus prend ni Abraham, ni prend tout monsieur net qui était mort dans cette alliance content de dans oreille yo et puis il prend yo, il monte avec yo aller dans paradis céleste là. Selon Éphésiens 4 verset 8 à 10 et depuis lors après la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, depuis lors, depuis un chrétien mourir, moi-même avant, capitaine d'enseignement, ça, si Dieu nous ferme, qu'on y a là, qu'elle nous pas sauter, nous pas regrette, parce que n'a pas quitté misère, n'a pas quitté stress, n'a pas quitté pas, tant de paroles en pile, pile tiré dans nos oreilles, nous toutes mal, la sainte journée, problème corona dans nos oreilles, nous pas tant de bagages ça encore, a fait bail corona, a fait bail bandit, assassinat, de ces bagages, non, nous pas tant de encore. Donc moi-même avant, depuis qu'on y a là, Dieu nous ferme, donc sauf que n'a toujours mettez nous prêts, vous comprenez? Parce que nous par contre qu'il est là mourir, nous pas malfecter, c'est malfecter carité de nous, mais qu'il est là mourir parce que diable a dit il prend temps d'aller dans ville ou mourir tel mais tel genre moi qui là tel bagaille. Mais moi-même avoir nous c'est chrétien, nous pas omniscient, c'est papa nous créer, nous c'est lui qui fait nous, c'est lui qui connaît combien de temps te mettez nous sous terre pour nous vivre, c'est lui qui connaît qui jour n'a mourir, qui date n'a mourir, qui année n'a mourir, qui mois n'a mourir, qui saison n'a mourir, qui l'heure n'a mourir, etc. etc. Donc moi-même avant nous de mettre nous toujours de toujours prêt pour n'importe le nous arriver hein n'importe le cet esprit relé nous pour nous monter dans le ciel là n'importe le et puis pour nous prêt pour nous faire connaissance avec papa nous dans le ciel là pour nous connaître Christ pour nous contempler pour nous adorer pour nous admirer waouh. Mes amis, avec Saint Abraham n'a pas existé encore. Depuis après résurrection Jésus-Christ de Nazareth, Saint Abraham n'existe plus. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens ont mouru qu'on y a allé droit dans le ciel là. Selon, ma bonne référence même, je vais vous chercher référence. Selon Philippiens 1, verset 23. Droit dans le ciel là. Philippiens 1, verset 23. Deuxième référence. Apocalypse 6, verset 9. Droite ou dans le ciel. Les noms mouri kounya. Donc, pas gen affaire Saint Abraham. Ça pas,
ça n'existe plus. Est-ce que nous comprenons? Ça n'existe plus. Pas rien à faire Saint Abraham encore. Donc, si nous avons des questions, pas hésiter à poser des questions. C'était une courtoisie, école de Dieu en Jésus-Christ, dirigée par le Saint-Esprit de Dieu, de concert avec l'Église de Dieu en Jésus-Christ, dirigée également par le Saint-Esprit bon Dieu. La paix Saint-Esprit est là avec nous. Hein? Pas oublier de partager enseignement ça à tout contact. Parce que jusqu'à présent, il y a pas enseigné ça à l'Église, Saint Abraham, ou les chrétiens mourir dans Saint Abraham. Ça n'existe pas. Ça n'a pas existé. Par contre, chrétien est mort dans Saint Abraham après et Jésus finit ressuscité. Nous tout net à droite dans le ciel. OK? Donc, à demain si Dieu le veut pour un prochain enseignement. Bye bye.